Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'un jour au stade. Vous le voyez juste derrière moi, c'est un véritable temps anglais aujourd'hui et qui dit temps anglais dit belle pelouse bien verte et nous avons la chance d'en avoir une ici au Matmut Atlantique. Alors nous allons consacrer ce nouveau numéro justement à la pelouse des Girondins de Bordeaux. C'est parti pour ce nouveau numéro. Voilà, nous sommes à présent dans le rond central de cette pelouse du Matmut Atlantique pour rejoindre le responsable de cette pelouse, Laurent Amaury. Bonjour. Bonjour. Alors un vrai temps euh, anglais, hein, je l'ai dit tout à l'heure, voire breton, hein, plutôt euh, en France. Euh, mais c'est un temps plutôt intéressant pour euh, la pelouse, euh, dans tous les sens du terme. Vous nous l'expliquerez dans un instant. Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne d'une façon générale sur cette pelouse euh, qui est un petit peu particulière. Rappelez-nous ses caractéristiques. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle, euh, comment dire, une pelouse posée sur un substrat élaboré. On a deux choses différentes, en fait. On a deux manières de construire les terrains de sport en France. Euh, on est sur des terres-sables, comme les d'Elmas, C'est un mélange de terre et de sable, donc il euh, y a des matières organiques dedans. Et ici, en fait, on est sur un substrat qui est complètement inerte. C'est-à-dire qu'en fait, on l'appelle substrat élaboré. Il est élaboré à partir de sable, de fibres et de liège. Voilà. C'est un substrat qui, est, euh, qui a été longtemps travaillé par la société euh, Natural Grass. Et, et ça s'appelle euh, le substrat air-fibre. Alors avant de rentrer dans les, les, les caractéristiques techniques, on va dire, il y a Maxime qui est à côté de vous, euh, de la société Sporting Sol. Je vais y arriver. Euh, bonjour Maxime. Bonjour. Alors vous vous occupez d'une façon plus générale, au jour le jour, on va dire, hein, de toute cette pelouse, de la, la tondre, euh, tout, toutes ces choses-là. Hein, oui, j'ai avec mon collègue, on s'occupe euh, tous les jours euh, de tondre, de fertiliser. Euh. Alors vous avez une drôle de machine à la main parce que, euh, justement, Laurent, on va s'apercevoir hein, de, de quoi et comment est faite cette, cette pelouse. Euh, on va faire un carottage, hein, c'est oui, ça C'est ça, exactement. En fait, c'est une machine euh, euh, qu'on connaît depuis des années. C'est ce qu'on appelle un hole cutter. Euh, c'est ce qui permet de faire les trous, notamment sur les greens de golf. Oui. Donc on l'a transposé euh, sur cette pelouse-là et en général sur la plupart des pelouses euh, autres, euh, en tout cas que des greens de golf, mm -hmm. simplement pour faire des carottages rapides et constater euh, l'état dans lequel se trouve le système racinaire, euh, euh, constater l'humidité, enfin faire des observations. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, on va procéder, ou en tout cas Maxime va procéder euh, tout de suite à ce carottage. vous inquiétez pas, on ne va pas l'abîmer cette pelouse, hein, même si euh, vous allez le voir, on va, on va prélever euh, bien différentes, on va voir toutes les strates en fait. Hein, de... 15 cm à peu près. Hein, 15 cm Là le substrat, il est posé sur une couche raynante, qui est un, un mélange de cailloux en fait, de cailloux grossiers, de cailloux un peu plus fins. Et vous avez 15 cm de substrat hein, fibré, donc. Alors, on va voir la carotte. Alors en fait, c'est justement les caractéristiques de ce matériau. Alors vous avez des petites ponctuations, les ponctuations marron, vous voyez ici, c'est du liège, hein, c'est un mélange de liège. La partie blanche, donc c'est le sable, hein, c'est un sable fin. Et puis vous avez un mélange euh, en fait de fibres, de fibres cotonneuses qui permettent d'armer euh, le matériau. Voilà. Et vous voyez ici le système racinaire, donc c'est assez rare d'avoir des systèmes racinaires aussi profonds à cette époque, on a à peu près entre 14 et 15 cm. Donc c'est ça aussi l'avantage de ces matériaux c'est que ce sont des matériaux qui sont euh, dits isolants, et donc la racine s'y sent plutôt bien. Elle trouve de la température, elle trouve de l'humidité, euh, en fait, euh, c'est régulier, de manière régulière. Donc voilà pourquoi elle est intéressée. C'est vrai que sur les anciens terres sables, eh bien, dans des conditions d'humidité telles qu'on les vit en ce moment, en tout cas ces trois dernières semaines sur le Bordelais, le système racinaire a tendance à remonter et donc à moins résister en phase de match. On rappelle également, on, on va le voir juste juste derrière de, de l'autre côté et un petit peu partout sur la, la pelouse, vous avez des, des petites stations météo. On rappelle que cette pelouse, en dessous du système de, du substrat, pardon, il y a aussi un système chauffant. Tout ça lié. Expliquez-nous euh, le Alors, système justement. On surveille le chauffage, euh, l'hydrométrie pour que le gazon se porte au mieux. Quoi. Voilà. En fait, bon, euh, c'est vrai qu'on a, on avait il y a quelques années euh, aucun outil de pilotage. C'est-à-dire que la prise de décision ne se faisait que sur de l'observation au travers des sondages, et puis euh, un petit thermomètre qui traînait dans, un, dans une entrée, euh, et surtout le visuel. Alors c'est pas pour autant que nos anciens se sont trompés, hein. ils ont sorti des terrains qui fonctionnaient très bien, mais aujourd'hui comme ces terrains sont de plus en plus sollicités, 40, 50, voire une centaine de manifestations par an, eh bien on a besoin, besoin d'avoir un regard technique, et notamment d'anticiper. Ce sont des aires de jeu qui réagissent très très vite, c'est des vrais formule 1. Hein. Et dans tous les sens du terme. Donc... Ces outils-là, ce sont des outils de pilotage agronomique qui nous donnent en fait des préconisations notamment en préconisation par rapport à la lumière. Bon là on est dans une enceinte qui est relativement ouverte, mais en fait les tribunes et euh, la casquette ici, euh, la verrière, en fait ne laisse pas passer suffisamment de lumière pour assurer une croissance normale à la plante. Donc on est obligé de compenser ce, ce manque de lumière par de la lumière artificielle, qui n'est ni plus ni moins en fait que de la lumière telle qu'on l'applique dans les serres pour cultiver euh, la tomate ou autre. Ce sont les mêmes ondes. En ce moment, il ne faut pas descendre en dessous d'une certaine température. Il y a une sécurité. Oui. Hein. Tout à fait. Alors la plupart des espèces végétales qu'on cultive sur sur ces terrains là, euh, on parle essentiellement de régras, hein, de régras anglais et euh, des pâturins par exemple des pâturins des prés qui résistent plus ou moins bien alors chacune de ces espèces là a des facultés qui lui sont propres, c'est pour ça qu'on les met en mélange résistance aux maladies, résistance à la sécheresse résistance euh, euh, au piétinement et donc en mélange ça donne quelque chose de relativement euh, intéressant euh, d'un point de vue de la gestion donc effectivement les régras et les pâturins euh, la plupart du temps s'arrêtent à 6-8 degrés c'est-à-dire qu'à 6-8 degrés, on n'a plus de pousse, on n'a plus de croissance. Or, la problématique pour nous, c'est que le championnat se joue principalement sur les périodes froides. Et malheureusement, pour compenser ça, à un moment donné, il faut piloter autrement. Donc, pour stimuler cette croissance-là, on a un réseau de chauffage en dessous, à 16-17 cm de profondeur. Ce sont des câbles qui sont installés tous les 20 cm à peu près. Qui est piloté par, alors, Ce système-là est piloté par une centrale. Et donc, on a trois secteurs. Qui sont répartis sur l'air de jeu en fonction justement de ces phénomènes d'ombrage. Puisqu'on sait qu'à l'ombre, on a toujours une température qui est plus froide que dans la zone ensoleillée. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous propose à présent de, de continuer vos explications sur la lumière parce que vous apercevez toutes ces rampes qui sont disposées un petit peu partout aux abords du, du stade. On marque une courte pause. Je vous propose de regarder on va recaroter parce que je ne voudrais pas qu'on nous accuse de, de détruire la, la pelouse. Et on se retrouve dans un instant à côté des lumières. The decisions as I go to anywhere I flow Sometimes I believe at times I wish you know I can fight Voilà, avec ce beau temps pluvieux, nous allons prendre le soleil, figurez-vous, puisque nous sommes à côté des, des lampes hein, euh, qui permettent justement euh, à cette pelouse de, de continuer de pousser même quand il fait sombre. Alors expliquez-nous tout sur ces, ces fameuses lampes qu'on retrouve dans de plus en plus de stades maintenant. Ah oui, effectivement, bon, on s'est rendu compte depuis un certain temps que, en fonction justement des phénomènes d'ombrage vécus dans ces stades-là, on avait besoin de compenser le manque de lumière par de la lumière artificielle. Alors, vous avez très peu de sociétés en fait qui les commercialisent dans le monde. Là en fait c'est la société SGL qui est une société néerlandaise donc euh, qui fournit euh, ce type de lumière. Bon, ce sont des gens qui travaillent sur l'international et qui équipent de nombreux stades euh, que ce soit anglais, français ou autre, hein, peu importe. Donc là vous avez des rampes en fait, des petites euh, qui sont les MU50 qui éclairent une surface de 50 mètres carrés mmh. et les MU360 qui éclairent une surface de 360 mètres carrés. Reste assez simple. Et donc justement je vous parlais tout à l'heure d'outils de pilotage que sont ces fameux boîtiers. On a des boîtiers qui nous permettent de savoir quelle quantité de lumière euh, le stade reçoit sur un laps de temps donné, avec des capteurs notamment sur la toiture également. Ah, donc, et en fait, on fait la différence entre le haut et le bas et on connaît en fait la carence. Donc, après il n'y a plus qu'à les piloter et se dire tiens à tel endroit il manque un petit peu de lumière on va les positionner un petit ouais. peu attention à ne pas trop en mettre aussi c'est ce que ah vous me disiez tout euh. à l'heure hein. c'est comme un être humain euh, si on ne dort pas pendant 48 heures nous on c est un ça. peu fatigué voilà on est fatigué puis on va pas jusqu'au bout alors la plante c'est pareil au delà de 48 heures dès eh bien, elle est plus capable de gérer les transferts d'énergie et en fait elle s'étiole on perd le bénéfice de justement de la luminothérapie donc on l'épuise complètement très simplement donc elle a besoin en fait de phases de, de, de phase nocturnes ah. C'est voilà. un complément, hein, bien évidemment, euh, même si on est en plein hiver au mois de janvier, on ne laisse pas tourner les, les lampes euh, tous les jours. Hein. Non. non, en fait, ces préconisations euh, sont, euh, sont faites par un agronome, donc, qui est un agronome lié à la société SGL. Et on a un outil de pilotage informatisé que l'on consulte tous les jours. Et on nous donne en fait, un nombre d'heures voilà, à respecter zone par zone. Donc c'est pour cette raison que l'on déplace les rampes, hein, en général en ligne, en fonction des précaux qu'ils ont fait voilà. Merci Laurent pour euh, toutes ces explications. Alors euh, des lampes, hein, on l'a vu, du chauffage, des petites stations météo, euh, tout ça est, est très pointu. Mais euh, comme toutes les pelouses, on a besoin aussi évidemment de tondeuse. Hein, euh, qui ça. dit pelouse dit tondeuse. Alors je vous propose d'aller tout de suite dans le garage euh, à tondeuse et à tracteur, euh, car évidemment il y en a un ici. Vous allez le voir avec beaucoup de machines. On y va tout de suite. Nous sommes toujours avec Laurent Amaury, le responsable de la, de la pelouse. Nous sommes dans le, le garage hein, avec toutes les, les fameuses machines pour euh, entretenir euh, cette fameuse pelouse. Les voici, ces machines. Alors, Laurent, euh, vous allez nous faire un, un petit passage en, en revue de, de tout ce qu'on peut voir. Euh, tout est neuf, bien sûr. On est sur de la machine haut de gamme. Hein. Je fais un petit peu le, le représentant. Mais euh, mmh. voilà, ça doit être un plaisir, hein, tout d'abord, travailler avec ce type de machine. Bon, alors, effectivement, bon, là, vous avez un parc matériel qui est complet. Euh, donc, qui est vraiment adapté à l'entretien de ce type de, de substrat, on est euh, sur la typologie euh, golf, hein, oui. euh, carrément. Hein. Donc, l'objectif euh, que la société a mis en place, c'est l'abaissement principalement des poids au sol pour limiter justement l'écrasement de la feuille et limiter les compacités qui peuvent être générées sur ces matériaux-là. On le voit notamment avec ce tracteur et ces pneus lisses, c'est ce que vous disiez, ce sont les mêmes machines qu'on utilise sur un green de golf. La seule différence entre un green et la pelouse, c'est la hauteur de la pelouse finalement. Principalement la hauteur de tonte et la densité végétale. En tout okay. cas, là, sur ce type de matériaux, c'est vrai qu'on est très, très, est très proche, en fait, d'un green de golf. Très, Alors, très proche. On a combien de, de machines en tout Enfin, vous avez combien de... Alors là, vous avez, vous avez euh, malgré qu'elles se ressemblent, en tout cas pour toute cette gamme de tondeuses, ça, ce sont des tondeuses hélicoïdales, ce qu'on appelle des simplex. Mm -hmm. hein, donc, vous avez une personne qui marche derrière. Et là, vous avez, en fait, les tondeuses simples, les petites, donc, qui sont faites pour tondre euh, habituellement euh, la semaine. Hein. Et vous avez les deux grosses, ici, hein, donc, qui servent essentiellement à donner de l'esthétisme. Donc, elles sont beaucoup plus lourdes et donc elles marquent beaucoup plus ces fameuses bandes qu'on voit qui ressemblent à un pantalon de velours hein, quand on passe la main. En fait, c'est juste une histoire de diffraction de lumière. Voilà, c'est tout. Justement, à ce propos, quand on voit ces fameuses bandes, on en voit euh, des horizontales, des, des, des verticales. Enfin, je parle quand on regarde à la télé. Il hein. euh, y en a même des croisées. Ça doit être un casse-tête pour vous. de comment, comment vous faites pour être pile-poil euh, droit et arriver pile-poil à, à la même largeur Alors, En fait, c'est très simple. C'est uniquement une histoire de, de cordeaux. On positionne des cordeaux et on suit ces cordeaux. Ouais. Alors les espaces sont déterminés à l'avance, hein, 4m50, 5 mètres, on a des bandes qui sont assez régulières, même si parfois on est obligé de jouer. Euh, en, en fait les bandes sont calculées en fonction euh, notamment de l'arbitrage. Donc, la zone des 16,50, la surface de réparation, on a des bandes en fait, qui sont réparties en fonction de ça. Voilà. Et donc, on répartit toutes ces bandes. Et la couleur que vous voyez, le vert sombre et le vert clair, en fait, c'est juste qu'une histoire de diffraction de lumière. Comme sur un pantalon en velours, quand on était gamin, on passait la main et on voit bien un côté sombre et un côté, un côté clair. C'est l'aller et le retour, Exactement. en fait. Exactement. Ces tondeuses, quand on est dans le public, on vient ici euh, au stade, tout de suite après le coup de sifflet final, on vous voit à l'œuvre déjà avec euh, les tondeuses. Pourquoi tondre après un match alors, c'est très simple. En fait, ce qui se passe après match, euh, en fonction de l'agressivité euh, et des actions de jeu, euh, on souhaite relever la plante de manière à ce qu'elle ne reste pas collée sur le, sur le substrat. Euh, parce qu'une plante collée sur le substrat, bah forcément, elle capte moins la lumière. Bon, même si en fin, en fin de match, il n'y a, a plus de lumière, bien qu'on ait la lumière, euh, la lumière artificielle. On aspire en fait le végétal, on le tond, on le rajeunit, on l'assainit. Il faut laisser un minimum de pluche au sol de manière à ce qu'il n'y ait pas de développement euh, de maladie, principalement essentiellement pour ça. Et il y a une reprise après le lendemain matin, on continue à reprendre les tacles. Il y a un gros travail tout de suite. C'est plus du, de l'aspiration, du nettoyage que de la coupe finalement Exactement. Ouais. On aspire principalement. On aspire pour redresser le végétal. Et détecter bien évidemment les tacles qu'on n'aurait pas vus, de manière à les reprendre le plus précisément possible. Il faut absolument pas qu'on voit le substrat. On gagne en densité. Euh, chaque fois que vous avez un trou dans une pelouse, c'est un parasite qui peut potentiellement s'installer. Donc... Il faut qu'on puisse aspirer justement ces excédents de matière qui, de toute façon, ne vivent plus. C'est les matières mortes. Hein. Voilà. Merci beaucoup Laurent Amory, je rappelle que vous êtes le, le responsable hein, de, cette, de cette pelouse ici au Matmut Atlantique, une magnifique pelouse, euh, j'ai envie de dire monsieur un tiers du, du football, hein. il faut des joueurs, un ballon et une pelouse, euh, d'où l'importance de votre métier, félicitations encore à Merci vous aussi. et à toute votre équipe. Voilà ce qu'on pouvait dire dans ce numéro euh, d'un jour au stade, je vous propose de se retrouver dans un mois pour un nouvel univers, à très vite, salut.